course et Malopelli. Alors, petit tuto rapide. Là, c'est un modèle qui était fait pour être à 15 lames en éventail. Hein. C'est le modèle 15 lames alto. Que j'ai fourni, configuré en 13 lames pentatonique. Donc, j'écarte plus les lames quand elles sont pentas. C'est pour un jeu plus intuitif. Et là, en fait, je voulais montrer une démo comment rajouter une lame. Parce que là, je vais fournir les deux lames restantes. Je vais les donner avec et je montre comment les replacer. Donc, je fournis avec cette lame qui est juste affûtée là, à la main. J'ai poncé un bout pour qu'il soit un peu biseauté. Et là, juste à la main, sans outil, on va placer... Je sais pas si vous voyez bien. J'ai fait exprès de pousser les autres, là, les deux là, je les ai écartés pour pouvoir en mettre une entre. Mais je m'arrange toujours pour qu'elle soit équidistante. Et là, en fait, bah, je me sers de celle-ci comme levier. Et quand je pose celle-là dessus, je tire en même temps celle-ci. Et après, j'ai plus qu'à les réaccorder. Et moi, je fais souvent avec les deux ongles, là, je pousse la lame. Donc j'ai pas touché du tout à la tension du tendeur, surtout sur une Sansa Drum, il faut éviter de démonter parce que c'est un montage qui est bridé deux fois. Les lames sont, le tendeur est bridé contre le bloc et le bloc est bridé sur la peau. Et si on serre trop ici, ben on desserre la bride du tendeur. Donc ne pas toucher à la tension des lames, je le dis tout le temps. Ne pas toucher aux vis. Voilà, à plus tard. Hop là.